très content déjà parce qu'on voit que les enfants sont là, les artistes sont là, les jeunes sont là et qui sont prêts vraiment à recevoir cette formation en art. Hein. Quand on dit l'art, c'est vraiment toutes les disciplines de l'art. La photo, la danse, la musique, la calligraphie, mais aussi les arts numériques. Ce sera un moment de retrouvailles extraordinaire entre les formations, et les formateurs et le jeune public. Et j'espère vraiment que les enfants vont tirer le meilleur de ces formations, vont tirer le meilleur de cette semaine de formation qui leur est destinée exclusivement. Et j'en profite pour vraiment saluer tous les partenaires de Question Nomade, les partenaires institutionnels, les partenaires étatiques, mais aussi les artistes, la communauté des artistes, la communauté des hommes de culture qui accompagnent depuis quelques années ces Question Nomade. Non, c'est vraiment un plaisir de répondre à l'invitation de Madame la ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme pour l'accompagner et vivre avec elle ce moment de lancement, d'ouverture de la 4e édition de l'Équation Nomade. C'était un moment très, très fort avec surtout les enfants, les tout petits, avec des spectacles extraordinaires qui démontrent le génie de nos enfants, avec des messages forts de paix, de cohésion et d'unité. Donc c'est vraiment, ça a été un moment agréable. Je tiens à féliciter Madame la ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme pour cette initiative. Et je félicite aussi les enfants, je félicite les partenaires du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme qui se sont mis tous ensemble pour que cet événement soit une réussite.